Ce soir, on est rassemblés pour le challenge zéro déchet, qui est le rassemblement de 50 ménages qui vont essayer en 5 mois de réduire leurs déchets de au moins 50%. Zero waste betekent in principe geen afval meer, maar dat is niet realistisch. Dus zoveel mogelijk proberen uw dagelijkse afval te beperken. Ce pourquoi je viens ici, c'est pour essayer de faire changer les habitudes dans la famille. J'ai des enfants adolescents pour qui c'est vraiment pas du tout ni un réflexe, ni une priorité, ni un problème. Je pense qu'il y en a encore quand même du travail au niveau des déchets qu'on produit. Et aussi, je trouve que c'est un chouette moyen de rencontrer d'autres personnes qui font ce défi-là, qui sont aussi impliquées dans le zéro déchet, parce que parfois, c'est pas facile, je pense. Ik denk dat er een grote ecologische nut is van deze challenge. En als mensen dat dan, zich daar dan echt op aanpassen en een ander gedrag stellen, dat wel positief kan zijn. Si ça a déjà un impact local et que les gens commencent à s'y intéresser, que ça devient une mode, ça peut avoir ensuite des répercussions politiques où il y a peut-être des industries qui vont se rendre compte que le zéro déchet, ça intéresse les gens et qui vont s'intéresser à la question aussi.